tic 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 tac wake up every day. Oh la 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 la, we'll show you the way. Oh réveille-toi, on te vend du rêve, on te fait croire que tout est là. Le paradis sur terre aujourd'hui n'existe pas. Si tu ne veux pas y croire, regarde juste autour de toi. Bonjour tout le monde, c'est JP pour la chaîne Achat Survival. Donc aujourd'hui on est dans les bois. Il y a moi, il y a Hugo, il y a Camille, il y a Dylan, il y a Anthony, il y a Alex, je sais plus si je l'ai dit. Attends, le tour de propriétaire. Donc là, mon campement, mon hamac. Il me reste mon tarp et ma moustiquaire à mettre là, comme Hugo. Voilà. Le feu est fait depuis un petit bout de temps. Donc merci à Dylan et Anthony de l'avoir fait. Même si maintenant on n'a plus grand chose à faire. Là il y a toutes les affaires qui servent à rien. Coupe la vidéo. Vas-y, coupe la vidéo de nous. On se retrouve tout à l'heure. Regarde le feu, gros. Ah, bon, te filme ou pas? Oui, j'arrive, j'ai les yeux qui piquent. Aziz, Aziz. Oh, comment couper du bon dieu avec une hache à et un marteau? Non, technique de prédilection de la team. Ok. Tu veux du bois? Attends, on est juste là. Oulala, ça a pété la bouteille. C'est bien, hein. C'est dans la boîte. Ah mon cochon. Ah oui merde, mais non du coup. De quoi? La vidéo. Je m'en bats les couilles. Elle va sur YouTube. T'inquiète. Ok. Il me faut du bois. Prince des flammes. T'as la queue qui crame. Appelez-moi vite de feu. C'est du côté. Voilà, et maintenant tu fais comment pour regarder? Voilà. Fais un cœur. Ouh, en plus on se dit dedans. Ah non, pardon, c'est lui le prince des flammes. Oui. Je me suis dit pourquoi il m'appelle comme Jamon, non? Elle est tombée dans le feu. Aïe. Quoi? Oui. Attends. Attends, ouais, vous aurez vu, hein, je branle rien moi en ce moment. Moi je la coupe droite. Ouais. Ah, mais c'est numérique, un écran. Pas besoin de viser. Pas comme quand tu pousses. Il y en a qui savent toujours pas. Hugo. Hugo, t'as bien. On va bouffer ce soir. Ouais, merci. Ton propre. C'est quoi, ah, tu peux me passer? Il y a un micro-ondes qui a fini de cuire. Moi aussi, j'ai entendu le. Qui a apporté un micro-ondes? Il va faire tout noir. Ma gueule. C'est qui le con qui a fait ça? C'est quoi? Ah, mais merde! Qui a emballé mon hamac dans du fil? C'est qui a fait ça? Qui a fait ça? Je suis sûr que c'est lui là. Non, je te promets. C'est lui? C'est elle! C'est pas moi, je suis innocente! C'est elle! C'est qui? Je sais pas. C'est qui? C'est lui? Non. Si, je sais que c'est lui. Je te promets, c'est pas moi. Oh, c'est qui? Oh, allez, vas-y, Hugo, dis que c'est toi, c'est bon. Les deux seuls qui bossent ici, c'est nous deux. Tu rigoles? Tu te fous de ma gueule, gros? Je viens de te voir? Film! Coupe, alors coupe! J'en ai coupé depuis tout à l'heure, je suis allé jusque là-bas moi ramener un arbre, gros. J'ai ramené un arbre entier. On a fait combien depuis tout à l'heure? On a fait tout le stock que t'as derrière. J'ai ramené un arbre entier. Oh là, y'a un zoom. Et on avait. Voilà. Un gros cul. Bon, vous allez pouvoir apercevoir que le camp a bien évolué parce qu'on a eu un petit moment de pluie. Voilà, bien évolué.
On l'avait pas dit, pas l'électronique. Tu vas t'en prendre, Nicolas. Ouais. Ouh. Du coup. J'ai même cru que moi. Quelqu'un a touché à mon couteau. Ouais, c'est Dylan. Viens là que je te roule une pelle. Hein, Hugo, j'ai le droit de rouler une pelle à ta copine. J'ai voulu rouler une pelle sur les deux, il en faudra deux. De quoi? Ah, pourquoi elle aime en avoir deux? Carrément. T'as intérêt à j'ai plus rien sur des pelles. Il y avait un gros argument allongé. Alex, ça va? Et je l'ai coupé en entier, mon gars. Non, j'ai mis du journal, j'ai mis des feuilles. Non, mais t'as dit sans briques, allume-feu. Histoire de faire le thé. Sans briquet et allume-feu. Youhou! Dans ma tasse, go. Oh les clampins! Prends une vidéo de la lampe. Oh! Ouais. Hey, winners go to the beach. Beach. Le message n'a pas été envoyé, tu te fous de ma gueule. Ah, du que sa mère l'a fumé. Passe au-dessus. Elle est dure. Ah, il le passe au-dessus ou dedans? Dessus. T'as une indice, s'il te plaît. Bébé, ouais. Ça te dérangerait de mettre ça à la poubelle? On essaye de capter! Bébé, ça te dérangerait de mettre ça à la poubelle? Eh, moi je me suis mis en mode avion justement pour pas être dérangé. Ouais, mais non! Moi je parle à Manon. Ah, il revient avec son idée. Salut! Donc nous voilà sur une idée de lampe! Putain, envoie-toi le message! Arrête de me filmer, s'il te plaît! Un jour, Dieu a dit, pousse-toi le gros! Et la lumière fut! Je viens là pour une semaine là! Putain, on s'est attaqué par les moustiques! Ta gueule! Hugo, on rigole bien! Ouais! Je m'en fous, je vous dis un truc du dessus, je vais prendre les bougies! On t'avait dit de prendre une moustiquaire! Ah, la salope! Ah mais je vais les niquer. Je vais les niquer. Alors comme vous pouvez voir, il pleut un peu beaucoup. JP, regarde la boue. C'est tout le manger. C'est tout le manger. C'est appétissant, dis donc. Filme ce qu'il y a dedans, tu verras. Regarde ce qu'il y a dedans. Mais t'as un sanglier là-dedans, c'est pas possible. Attends. Attendez, regarde, ouvre la glacière. Ouvre la glacière, Hugo. Va filmer la glacière. C'est bon, on s'en fout. Bah non, faut montrer la vidéo quand même. C'est bon, hein. J'ai vu qu'il part en couille. Baby, t'as besoin de l'amour, de mes bisous dans ton cou, de tes mains douces sur mon torse, ouais, moi je suis toi dessous. Baby, je viens. On dirait un couple. Baby, te vois plus loin. Et soudain, quand tu viens. Doucement. Fais du playback, Kevin. Toi, je doucement. Chante bien. Elle a une voix de bonhomme. Attends, mais là, je vais crever des yeux, là. C'est bon ou pas? Oh, Monaco, ton rocher est le plus beau. Oh, Monaco, oh, Monaco, ton il est toujours beau. Oh, Monaco, what a guy, what a guy, what a guy. On te retrouve aussi au bistrot. C'est tout pour moi, merci public. J'essaye comme je peux. Oh mais ça tient que par ça. Bah oui. Le mec il sort de la scie de sa poche, normal. Comme j'étais à ma gueule. C'est pas une hache hein. À la base. À la base. À la base de la base. Hugo? Oui? Attends. Et Tahiti Bob? Mais bon, hein? Ouais, vas-y. Attends. Oh? Vas-y, tu mets un bon gros high kick. J'ai peur. Oh putain, je l'ai. Elle est bonne.
On l'a refait. Allez, commence. Venez, on se ramène ça, puis on se débite ça là-bas. Quoi, qu'on ramène ça? Oui. Ah, j'allais quoi. Si vous attendez. Alors, résumé de la situation. Camille a coincé sa hache. Non, c'est pas moi qui l'ai coincé, ok. On a coincé la hache de Camille dans la bûche. Et du coup, vu qu'elle est indécoinçable, quoi, on utilise une scie pour la décoincer. Et personne n'a ok Google, hein. Je vous le dis. Bonjour, je m'appelle Kenji. Tiens, vas-y, essaye de prendre par ici, c'est encore plus drôle là. Ma hache, elle est coincée. Tu veux pas scier Hugo là? Parce que donne-moi la hache, tu veux, je peux te couper. Ah bah non, vas-y. Bon, éclaire à côté parce que voilà. Je laisse le ventilo. Belle petite grenouille. Il faut savoir que dans cette région, les grenouilles sont vénéneuses. Quoi? Ah bah oui. Ça lâchait pas, mais. Elle est où? Et il est presque 5h du mat. On se fait cuire des merguez. Ouais. Ah, il y a des cailloux là, c'est très mal. C'est mal, c'est des cailloux. Ouais, c'est qui a ma maglite à moi? Elle est dans ton cul, je crois. Non, c'est pas une blague là, je regarde pas. Mais je sais pas où elle est ta maglite, putain. Il y en a... Mais si vous l'utilisez, vous savez même pas. C'est toi qui a sa maglite ou c'est la tienne? C'est la tienne. C'est la mienne. Hein? C'est la mienne. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? T'as pas ces mignons? Je sais pas. Tu m'en fais pour quoi, hein? Bah, on prend un tuyau. Stiqué. Je suis bas, c'est la nuit. Tiens, voilà, t'as la pluie. Ah, c'est mouillé. Bon, voilà, on est le matin. On n'a pas tourné la nuit, on a rechargé les batteries du caméscope. Il y a encore Hugo, Alex, Dylan qui dorment. Anthony, là, dans sa crise. Anthony dans sa chrysalide. Et Camille qui est en train de crever. Et non, moi et Camille, on a veillé toute la nuit pour s'occuper du feu. Donc voilà, pour l'instant le feu s'est pas éteint une seule fois, donc c'est cool. Et puis on va continuer comme ça. Et puis là vers 9h-10h, on va rentrer à la maison. Un mot à dire. Maison. Mon lit tu me manques vraiment beaucoup. Je suis fatiguée aussi. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, alors après quelques nuits réparatrices de sommeil, je vous fais le bilan de la soirée. Donc pour moi, tout s'est bien passé. Vraiment, vraiment bien. J'ai pas eu froid, j'ai pas été trop mouillé. J'étais OP, tout bien fait. Le feu, on a réussi à le gérer à peu près correctement. Il s'est pas éteint une seule fois, c'est cool. Il y en a qui ont bien dormi, comme il y en a qui ont très mal dormi ou pas du tout. Mais sinon, non, tout va bien, à part qu'on peut pas vraiment appeler ça un bivouac, un bushcraft, parce que grâce à Dylan, comme dirait Hugo, on avait l'eau, le gaz et l'électricité. Donc voilà, on avait un abonnement chez EDF Nature, EDF GDF. Et mais sinon, rien à dire, il faudra en refaire un. Enfin, un tout petit peu plus chaud quand même, je dois avouer, un tout petit peu plus chaud et un peu moins humide quand même, un peu moins humide, malgré le fait que ça nous a pas empêché d'alimenter le feu avec des bûches. Les bûches qui étaient mouillées séchaient facilement, on les mettait au-dessus du feu, super, voilà, rien à dire. Donc je vous retrouve pour le bêtisier qui va suivre cette vidéo. Et à la prochaine, bye.